à tous. Thomas Cuisset de Marseille, aujourd'hui à Cardiovalve, ici à Marseille, nous avons eu une belle controverse avec Jean-Philippe Verroy de Rennes, à savoir si le TAVI était devenu la technique de première intention dans le rétrécissement aortique serré symptomatique. Alors en effet, du fait des études, de l'amélioration de la technique, aujourd'hui je pense qu'on peut dire qu'au-delà de 75 ans, chez les patients avec une anatomie favorable, effectivement le TAVI est devenu le traitement de première intention. Malgré tout, il y a encore de vraies bonnes raisons de faire de la chirurgie. Les gens qui doivent être opérés pour une autre raison, que ce soit une maladie coronaire, une autre maladie mitrale, les gens qui vont avoir une anatomie défavorable pour le TAVI, notamment les bicuspidies très complexes, les patients qui n'ont pas d'abord transfémoraux. Et enfin, il faut bien avoir à l'esprit que chez les patients plus jeunes avec une espérance de vie plus longue, bah, il faudra être très exigeant sur le résultat du TAVI en termes de fuite, en termes de troubles conductifs, en termes d'accès au coronaire. Donc globalement, le TAVI en première intention, oui, mais avec quand même une place encore très significative pour la chirurgie en fonction des patients. Et donc le maître mot, c'est évidemment de travailler main dans la main avec les chirurgiens pour une bonne sélection, pour proposer à chaque patient la technique la plus appropriée. Et ce sera intéressant de voir l'année prochaine à Lille, dans l'édition 2023 de Cardiovalve, où en sera finalement cette controverse qui existe sur le traitement entre TAVI et chirurgie.